De l'échelle de Jacob me venait à l'esprit que c'est un chemin entre la terre et le ciel, et l'histoire c'était que Jacob est dormé et puis il s'est mis sa tête sur une pierre sur cette colline, et il a rêvé qu'il a vu des anges qui descendent d'une échelle d'un côté et monter de l'autre côté. Ils ont fait des allers de retour comme ça. Et il a raconté cette rêve à Dieu, et Dieu a dit que c'est pour ça qu'on va commencer mon église ici, et vous allez peupler la terre, et vous serez mes peuples. Et puis le chemin de paradis, c'est à travers le corps de Christ, qui est plus ou moins l'échelle. Et parce que pour moi, la peinture en art en général, mes peintures en l'occurrence, c'est une démarche spirituelle. J'ai vu un lien entre ce que j'ai fait avec le paysage, la relation entre la terre et le ciel et l'horizon et tout ça. Et j'ai réfléchi un peu à cette histoire, et puis j'ai décidé de faire d'un de mes tableaux une échelle de Jacob pour m'emmener, quoi, si j'arrive, quoi. Mais c'est une mission impossible, quoi, parce que quand on arrive à haut de l'échelle, ça veut dire que on est arrivé à la perfection, qui est impossible. On est arrivé à la vérité. Thank you.